Quoi à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la présentation de quelques vêtements de chez Shein. Alors il y a juste deux articles que j'ai pas pu porter puisque je ne rentre plus dedans avec le bidon que j'ai. Donc je les porterai vraiment après ma grossesse pour l'année prochaine, ça va être tip top. Et vu que j'ai pas pris un gramme pendant ma grossesse, une fois normalement que je perds le ventre, ces articles là m'iront l'année prochaine. Voilà, donc non, je n'ai pas peur que ça m'aille plus ou pas. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite par vous présenter cette jolie robe. Voilà, blanche, papillon. Moi, j'ai pris des trucs comme ça, souples, pour partir en vacances, pour caser mon bidon et être juste à l'aise. Donc, je vous montre tout ça, bien sûr, porté en image. Et j'ai tout pris en taille L cette fois-ci. C'est tout du L. Tout ce que je vous présente là, c'est en L. Alors, elle est vraiment très jolie. Elle est courte. Vraiment facile à... c'est comme un peu le même style que la verte que j'avais dans l'autre partenariat Shein que j'avais fait. Donc là, je l'ai pris en papillon. Ensuite, je l'ai prise comme ceci, en papillon comme ça, de cette couleur. J'ai pris une robe blanche comme ça. Si elle serait à l'endroit, ce serait bien. Pardon. Donc voilà, elle est blanche comme ceci. Franchement, elle donne un très joli rendu avec le ventre et tout pour l'été avec le bronzage. Je vais emmener déjà les trois robes que je vous ai montrées là en vacances. J'ai pris celle-ci. J'aime beaucoup la couleur. Voilà, donc je vous montre bien sûr tout porté. Hein. Elle existe en différentes couleurs. Jaune, je l'avais vu aussi. Pas mal. Ensuite, j'ai pris une robe pull, épaule dénudée. Celle-là, je vais mettre une ceinture au-dessus, une ceinture genre or avec un petit nœud au niveau de l'entre-sein et ventre. Je sais pas comment dire. Elle a des poches. Là, on voit pas le rendu, mais franchement, ça fait joli porté. J'aime bien et je vais l'accessoiriser, donc comme j'ai dit, avec une ceinture couleur or et un petit nœud. Ensuite, j'ai pris cette robe-ci. Celle-là, je l'ai commandée moi-même. Je l'ai achetée. Elle est venue encore plus vite que mon partenariat et je l'ai commandée après avoir commandé mon partenariat. Enfin, les articles de mon partenariat. Celle-ci, je la voulais trop en léopard. Pareil, c'est une robe bustier qui s'enfile comme ça. Voilà, vite fait, bien fait. Et elle est très confortable pour l'été, pour dans le sud. Celle-là, je vais l'emmener. Pareil, je vous la montre. Mais c'est pas...
partenariat. Mais je vous mets le lien quand même. Ensuite, j'ai commandé cette veste en simili-cuir. Voilà, avec des franges, comme ça. Elle est vraiment très jolie. Et celle-ci, je l'ai prise pour mettre après la grossesse avec ma jupe en cuir que j'avais aussi reçue de chez Chine, il me semble, automne dernier. Donc, je voulais absolument mettre ça, voilà, avec la petite jupe et faire un ensemble. Ça fera joli en cuir comme ça. Boum. Mais il est sérieux, lui. Et pour la fin, il y a deux articles que je n'ai pas pu porter puisque, ben, avec le bidon, ça ne rentre pas. Mais bien sûr, ça rentrera plus tard. Donc, il y a cette combi short. Je vous laisse une photo sur le côté ou je ne sais où. Je vous laisse une photo pour que vous la voyez porter quand même. Elle est vraiment très belle. Je l'ai essayée, mais par contre, j'arrive pas à fermer la tirette. Elle me va, mais c'est le ventre qui coince. Donc, une fois que j'aurai plus ce gros ventre de grossesse, et eh ben, voilà, elle m'ira comme un gant. C'est trop beau. Celle-ci, robe en jean. Pareil, celle-là, j'arrive pas à la fermer dans le dos avec le bidon. C'est trop serré, donc ça ferme pas. Donc voilà, celle-ci, je vous mets aussi une petite photo pour vous montrer comment ça fait porter. Je vous laisse bien sûr mon code promo qui est valable sur tout le site, hein, même le maquillage et tout. Et j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao !